Salam alaikum. Nakaw une contribution pour le soir d'Algérie, datée du 18 novembre. C'est à Wilber. Je crois que tu vas dans la contribution, a dit. Que tu vas voir, tu vas être comme déjà allé. Wosmo Morad Benachnou, ancien ministre de l'économie et des finances, qui a échoué dans la mission Tao en tant que membre du gouvernement et qui est censé, quand il est dans un pays qui se respecte, il est censé parler de l'économie, des finances, du droit commercial, domaine, lui, il a des diplômes, wa qarafihom. Rahnawa dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'économie ou avec les finances. Et moi, je suis obligé de parler des conneries, les rouqolfihom. Ou en rouqolkom, ma qarich gal l'article, qarit ghir le titre qui est révélateur. Le titre. Le journaliste a pris sûrement quelque chose en titre pour donner une idée sur l'article. Il est temps de criminaliser le sionisme. Donc il y a Je pose la question, qui va criminaliser le sionisme? Qu'est-ce que c'est le sionisme? Ou est-ce que le sionisme est un... c'est-à-dire, c'est un délit aujourd'hui? Qui est la chkoun qui va criminaliser le sionisme? Chkoun le sionisme? Chkoun qui est sioniste? On pour ça, ne me donne pas l'aql, je ne fais moi. Nakara, j'ai pris des notes. Qu'est-ce que c'est le sionisme? À la simple, le dictionnaire. Le sionisme est un mouvement, c'est vraiment bien, hein, national, d'une partie du peuple juif visant à la formation d'un foyer national juif. On a le fougain, le sionisme, d'où le nom sionisme, qui veut dire le nom sionisme, déjà parce que le foyer juif, en 1947, des juifs, oui, t'laqaou dans une ville de la Suisse qui s'appelle Sion. Une ville où se met Sion. Et ils se sont rencontrés là-bas. Ce sont des juifs. Et là, derrière, ils ont pris la décision de décider, Billy, ils vont créer un foyer juif en Palestine. Pourquoi en Palestine? Parce que l'histoire juive a une liaison avec Sinaï ou le djihadik. Le Sinaï, déjà, Grib, Jérusalem. Donc, le peuple juif, selon l'histoire d'Aram, elle est vraie ou elle est fausse, elle n'a même pas fait le mishkil. Djam, Moïse, Kanou, les juifs étaient prisonniers en Égypte. Yachemo, pour le compte des pharaons. Djam Moïse, il les a libérés. Ou Djam,
Ils ont traversé le Sinaï où ils gardent la ville Canaan. Et ils ont construit le temple de Salomon. On va dire les Romains, Hargou le temple de Salomon, on va dire. Mais il y avait dans ce pays d'autres habitants qui sont des Palestiniens. Maintenant, je fais l'histoire, je vais le faire. Donc, le sionisme, ce n'est pas un délit qui peut être prévu par les lois aujourd'hui. L'action de l'État d'Israël aujourd'hui, maintenant la création de l'État d'Israël, 1948, la déclaration de Balfour. L'État israélien est né, il est devenu, il s'est approprié de terre, il a spolié des habitants Kenosekmin, Delom Aradion, il a créé un État qui s'appelle Israël. Cet État est reconnu internationalement par le monde et fait partie de l'ONU. Alors, jamais de la vie, d'une manière officielle, Israël, l'État sioniste. Le sionisme, c'est une accusation des gens qui sont contre le comportement, les abus, les génocides littéraux, c'est un État sionisme. Mais, Benachou, qui qu'on a, il est temps de criminaliser le sionisme. Le sionisme, c'est abstrait. C'est pas quelque chose. Je connais le sionisme. Netanyahou n'a jamais revendiqué, il connaît que je suis un sioniste. Les présidents d'Israël n'ont jamais dit, Wahed Magal. Les présidents l'ont fait tout. Nous sommes un État sioniste. Donc, il faut arrêter de divaguer. Pour un ancien ministre, il faut rester critique, mais il faut connaître l'histoire. Il faut être juste. L'État d'Israël est un État condamnable pour plusieurs choses. Notamment les différents génocides leader depuis Menhar, il s'est installé pour la Palestine. Il est condamnable. Mais on ne peut pas criminaliser le sionisme. Il n'existe pas le sionisme. Vous allez devant n'importe quelle cour de justice dans le monde. Et moi je parle des pays qui sont un peu neutres. Parce qu'on dit dans une cour d'un pays arabe qui est contre Israël, et il dit dans une cour où il dit, allez, le sionisme est criminel. Mais attends, je le sionisme. Oui, on ne peut pas coller à des dirigeants d'un pays d'être des sionistes. Ils ne le sont pas. Subhanallah al-Adim. Ils ne le sont pas. Je ne les défends pas, mais ils ne le sont pas. Le sionisme, c'est une doctrine. C'est un mouvement, une doctrine, parce que son nom vient d'une ville de la Suisse, Sion. Et les gens qui sont réunis, puis Sion, donc ont décidé, Billy, ils créent l'État d'Israël. Et ils ont réussi par le combat. Ils ont pris des armes contre
contre l'Angleterre, qui était à l'époque la Palestine, c'est elle qui avait la gestion de la Palestine. Au NATO, ils avaient ils avaient un groupe, je ne sais pas comment il s'appelait, à l'époque ils s'attaquaient aux soldats anglais, jusqu'au jour où l'Angleterre a pratiquement eu peur et a perdu beaucoup d'hommes et a décidé de sortir de la Palestine et de donner les clés, le mouvement. D'ailleurs, Moshe Dayan, l'ancien ministre de la Défense à Israël, était membre du commando Hada, dont je vous parle. Donc, criminaliser le sionisme, je crois que c'est une bêtise de le dire, de l'écrire dans un journal algérien. Nous avons une élite de la TFM pour corriger le monsieur. Il y a eu dans le monde plusieurs mouvements criminels, mais jamais on les a criminalisés. Jamais. Les Occidentaux décident Galbli, Hamas, c'est une organisation terroriste. D'accord? Parce que Hamas, c'est un mouvement qui existe. عندهم العلام عندهم كلش عندهم وما يهضروا يقولوا نو انا شو السكرتير جينيرال دو حماس اتجا دونك اون كوندام الحماس لو نو حماس كوم اون كوندام واسمو هذاك تاع لو موفمون تاع داعش مي اون بو با كونداني ان موفمون qui n'a en fait pas existé. Il n'a pas existé. On peut condamner aujourd'hui et ceux qui veulent condamner Israël, mais on peut condamner l'État d'Israël. Alors qu'il y a des non. Si il faut condamner les meurtres de leaders de l'État d'Israël, 14 000 morts aujourd'hui. Il faut condamner l'État d'Israël et les dirigeants devant la Cour pénale internationale ou devant l'ONU ou la Wintambo. Mais, on cible, ça ne se fera pas. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que le rapport des forces existant aujourd'hui dans le monde n'est pas à l'avantage de ceux qui veulent condamner Israël. Israël elle est plus forte par ses appuis. Voilà ce que je voulais dire. Parce que qui me parle des choses, il faut toujours donner un point de vue. Quand je donne un point de vue, si je me trompe, il y aura des personnes qui vont nous... Soyez-en sûrs, ils vont me corriger. Wanaya, j'aime bien qu'on me corrige, parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir, et surtout, je n'ai pas le temps, je vais dire une vidéo, de passer des heures à me documenter. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Donc, on dit, je ne suis pas un officiel. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu une conférence internationale ou une conférence nationale. Je suis en train de blaguer sur YouTube, comme le font des millions de personnes. Ils disent tous les jours en train de dire des conneries. Alors, nadro. Et si il y a des gens qui me corrigent avec ça,
argumentaire. Mais si c'est beau, ou hadi, ou hadi, ou ta brale, ou ta ceci, ou ta cela. Non, c'est pas comme ça. S'il y a des gens qui peuvent me dire ce que j'ai dit est faux pour la raison suivante, par l'article de loi internationale ou par Ken Haja, qui est officiel, on accepte. Mais si c'est beau, là, c'est pas. Allez, salam alaikum.